Je vous présente Samuel. Je vous dirai bien pourquoi il est en prison, mais la loi interdit formellement d'en parler aux mineurs. Je suis à vous dans une minute. Je trouve qu'on m'a attaché un peu trop serré. Ah oui? Bon, allons-y. Vous devez connaître un certain nombre de règles de base. Ici, vous êtes à moi. Vous êtes ma propriété. Et si vous voulez que je vous dise, je ne suis pas au petit soin avec mes affaires. Lève-toi. J'ai dit lève-toi! Tourne maintenant! Tourne sans t'arrêter! Plus vite! Hein, regardez, voilà une jolie toupie. Assieds-toi! Ça marche comme ça. Parce qu'en prison, on s'amuse comme on peut. Et quand ils coffrent des bouffons d'ados comme toi, ou toi, oh, c'est Noël pour un mec comme moi. Et quand je suis contrarié, je n'hésite pas une seule seconde, je chope ma jolie toupie et je lui serre son joli cou. Je serre jusqu'à ce que ses globes oculaires lui sortent de sa jolie tête. Et je les plante au bout de ma fourchette. Tu trouves ça drôle? Je croyais que vous disiez ça pour rire. Je viens de trouver un volontaire, on dirait. Je vais t'expliquer un truc, beau gosse. Je vais te dire comment ça se passera ton premier jour ici. Et ne t'attends pas à recevoir ni fleurs ni couronne. Ah ouais, tu m'étonnes. Charlie's wife goes down to the Scully Square station every day at 2:15. And through the open window she hands Charlie a sandwich as the train comes crumbling through. But did he ever return? No, he never returned. And his fate is still unlearned. He may ride forever. He may ride forever neath the streets of Boston. He's the man who never returned. May that banjo Steve-O. And his fate is still unlearned. Just like Paul Revere. He may ride forever neath the streets of Boston. He's the man who never returned. He's the man who never returned. C'est coup minable. Pour jouer les durs, c'est ici que ça va vous conduire. Vous n'aurez que... Dis donc toi, répète ce que je viens de dire. J'ai rien écouté. Je crois que j'ai tout compris. Vous êtes bouclé ici? Vous resterez en prison toute votre vie? Pourquoi je devrais avoir peur de vous? Dans un sens, c'est tort le mot. Parce que, vu la façon dont tu te conduis, toi aussi un jour tu finiras ici. Et ce jour-là, crois-moi, oh ouais! Excusez-moi, à votre place, je me ferai envoyer discrètement un truc pour la laine. Tu veux que je te dise ce qui est arrivé au dernier clown qui a voulu rire de moi? On a retrouvé juste assez de son ADN pour que l'accusation tienne debout. Oh, j'ai peur du grand méchant prisonnier. Oh, mais comment vous allez me choper et tendre vos bras à travers les barreaux sur 100 kilomètres? J'espère que vous leur serez reconnaissants de ce qu'ils ont fait pour vous et que vous serez heureux d'apprendre que grâce à vous et à l'excellent travail qu'il a fait au sein de ce programme, notre ami Samuel sort dans 8 jours. On va se revoir bientôt. J'en ai rien à foutre que tu sortes de là! Tu sauras jamais où venir me chercher! Lycée Quartier Nord, 14e district. Abruti! Messieurs, je vais vous présenter un numéro que vous n'avez jamais vu à notre gala. Un peu de calme. Je vous demande d'applaudir comme il se doit les gentlemen chantants. Night long, Charlie rides through the station crying, what will become of me? How can I afford to see my sister in charge? Did he ever return? No, he never returned. And his fate is still unlearned. Hey, let's get them. He may ride forever neath the streets of Boston. He's the man who never returned. He's the man who never returned. T'es plus applaudi que les rois de la gym. Tout le monde chez moi, on va se faire une pizza. D'accord, on y va.